après un troisième épisode où vous avez découvert les opères échouées, un quatrième où nous vous avons emmené dans la suite de notre périple avec les opères fauchées mais stylées, bienvenue dans le cinquième et dernier épisode de ma série Opères d'Ayori la suite que j'ai intitulée « Les opères qui se sont bien trouvées ». Il est temps de terminer ce séjour new-yorkais en beauté and make a memory out of it. Les opères échouées, pas si échouées que ça. Pas si échouées que ça. Incroyable. Tu m'entends? Ils nous ont trop teasé là. C'est pour le vlog. C'est l'amour à la plage. Ah, j'adore. Tu kiffes? J'adore. On meurt de chaud, mais vraiment c'est bien. Il fait très chaud parce qu'il y a le soleil qui reflète sur toutes les villes. Du coup, en fait, il y a du soleil partout. Regarde, il y a une piscine. Lol, toi t'es drôle toi. Méga stylé. Il y a beaucoup de monde par contre. J'arrive. On attend. Il est 13h quasiment, on n'en peut plus, on meurt de faim, mais c'était trop stylax. Genre on parle avec this view, on est qui sérieux? Bah je crois qu'on est un peu des New Yorkais. De ouf, on se perd pas dans le métro et tout, mais... Parce que là les opères échouées... Oh, this way. Les opères échouées, pas si échouées que ça. Pas si échouées que ça. C'est horrible la sensation que ça fait. Ah. Jesus, on est resté. Who's that shadow holding me hostage? I've been here for days. Ça fait 3 jours qu'on bouffe burger. On est blasé là. On a faim et on n'en est pas soir. C'est exactement ça. On a quand même la force de bloguer. Ouais. Et on a payé 24 balles pour notre repas. Chacun, c'est pas drôle. Mais en fait, c'était pas par là, je crois. Ouais, mais. Il faut qu'on trouve un endroit. Been held by you. Baby, look what you've done to me. Vraiment, on est plutôt pas mal quoi. Toi, les gens en dessous, moi je serais pas sur en face. Mais regarde, il y a rien là. Non, mais ils sont trois en fait. Regarde. Tu comment il a attrapé? Il a fait comme ça. Il a crevé par derrière. Il va être juste. Ah putain, toi aussi tu vois ça? C'est drôle non? Did you stand there all alone? Oh, I can't
cannot explain what's going down. I can see you standing next to me. Dans le quartier chic ici. Second de la thune. Pas nous. Dans le quartier des choses qu'on n'aura jamais. Ça se serait épouser quelqu'un de riche. Qui sait, qui sait. On traverse là, c'est où qu'on doit aller? On est perdu. Le GPS, c'est quoi? Oui, c'est pas notre faute, c'est le GPS. Hein. Ah non, mais moi je veux pas ça, je veux des boîtes de mouchoirs. Ils sont vraiment pas comme nous. Ils ont des machins comme ça, ils en ont 15 sortes différentes. Par contre, ils ont pas des putains de paquets de mouchoirs. Non, mais j'hallucine. J'adore ton engouement pour ma recherche de mouchoirs. Ah oui, entre pas de mouchoirs. Du coup, on râle. Et on est français. Par contre, j'ai pas cherché à boire. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ah non, c'est produit vaisselle, soparine. Oh, Ed Sheeran. Quand je le dis en anglais comme si j'étais. Parfois on s'en dit ça, mais c'est déjà 5 balles. Oui, c'est vrai. Ah, comment c'est... That's my baby. C'est ce que j'ai dire, c'est ton nouveau copain. Viens, on la ramène. Parce que c'est pas comme si on n'avait pas toute place dans nos affaires. Il est un peu creepy, non? Nah. Non. T'as vu la gueule que j'ai fait quand j'ai essayé de la peser? Ah, elle est tombée. Et après, on va peser. On va la peser. Et vous allez me dire que ça, il faut qu'on y transforme. Non, mais attends, mais là, il y a moitié d'affaires là-dedans. Attends. Là, pas mal là. So, hey guys. Ah, là, j'ai l'impression d'être une vidéo YouTube d'une personne connue. Pas du tout. Ouais, I am not famous. Je me trouve chum, tu trouves chum? Pourquoi je me trouve chum, hein? Là, on va trouver une perle rare. Ça n'a aucun sens. Oh, bon, j'ai allez. Jamais... Merde, putain, j'ai voulu faire une vanne, mais elle est pas sortie. Bon, alors. Alors, le truc qu'on a acheté, c'est ça. C'est Nerds Gummy Cluster. Et j'ai une petite chose que j'ai ramené de Californie, il faut qu'on choisisse. Ça, je pense que ça va vraiment être dégueu par contre. Sur ce. Oh mon dieu, ça va être. Ça a l'air bon. J'ai pas d'avis. C'est pas mauvais, c'est pas que j'aime, ouais. Genre, c'est pas que j'aime pas, mais j'aime mais pas. C'est pas bon, j'aime mais pas. C'est... C'est pas bon, mais c'est bon. Ça sert à rien en fait. En gros, c'est ça. Ça sert à rien. Genre, c'est. Ça a aucun goût. Pas... Si, ça a le goût de chimique. Tu mets toutes les saveurs de fruits un peu chelous mélangés, en mode le chimique. Tu mets dans un bonbon, c'est ça. Tu mets du croustillant autour. Ça doit donner une note, je dirais. Je sais pas. C'est quand même le quatrième qu'on mange, donc c'est que c'est pas si dégueu. Tu veux qu'on goûte ça? Oui. Cette connerie, ça ressemble à des dragibus. Oh, ça va être dégueu. Oh, je le sens, ça va être infâme. Ça, c'est dur. C'est vraiment la gueule de dragibus, mais version Wish. Exactement. C'est dégueu. Tu m'as donné orange. Orange, c'est le pire truc qu'on donne à quelqu'un. Ça, c'est infâme. Ça, c'est infâme. Ouais. C'est du plastique fondu. Ouais. Donne-moi des petites billes. Des petites billes ça? Ouais. Alors, ça, par contre, vous avez du diamètre, on mangeait pas. Ouais. Mais c'est pas non plus crazy. Bon allez, on arrête les cochonneries là. Du coup j'ai bien envie de les manger quand même ceux-là. Bah ils se mangent bien hein. Vu la taille des bouteilles, je sais pas s'ils se rendent compte. Bah, c'est vraiment énorme. Et on va essayer d'aller manger un truc équilibré aux US, ce qui est impossible. À demain. Vous allez bien, je vous retrouve ce matin, on est déjà dans la folie new-yorkaise. J'ai pris le métro de bonne heure ce matin puisque j'ai une petite matinée culturelle. J'ai fait mon premier vrai musée ici. Au bout du G6, il serait temps, je vais au Met, qui est donc le Metropolitan Museum of Art de New York, qui est quand même assez connu. Je me suis arrêtée, la française que je suis a été alpaguée par cette petite chose. C'est une pâtisserie slash boulangerie qui s'appelle Paris Baguette. J'ai envie de me faire un petit croissant, je rentre dans 2 jours, j'ai vraiment pris mon croissant. 3$, donc on n'est pas vraiment sur de l'intelligence de ouf, mais c'est pas grave, j'avais grave envie de les tester. Je sais pas pourquoi je me suis mis en tête de tester des choses françaises aux US alors que je ferais mieux de manger des choses des US. Là du coup je vais retrouver Kim qui est l'opère que j'ai retrouvé mercredi avec qui j'ai eu un super feeling. Donc on fait le musée ce matin ensemble et je vais d'abord tester ce petit croissant et ensuite on est parti pour la matinée. Birds flying high. You know how I feel. Sun in the sky. You know how I feel.
drifting on by. You know how I feel. Le kiff ultime, les donuts au Airbnb pendant une journée pluvieuse. Mmh. Vous savez quoi? J'ai goûté Dunkin' Donuts et là c'est Krispy Kreme. Y a pas photo. Donc à choisir entre Krispy Kreme et Dunkin' Donuts, Krispy Kreme fois 1000. Ils sont tellement bons, c'est une tuerie. Mmh. Hello! Hey guys! Nous sommes sur notre. Enfin, mon dernier jour, je vais dire notre dernier jour, mais c'est mon dernier jour. On est samedi. Queen! On est samedi. On est samedi 12. C'est départ pour moi, je pars ce soir à 23h. Donc là, l'idée c'est dernière petite journée en duo. C'était une semaine. C'était incroyable. De rêve. C'était, franchement, j'aurais pas pu rêver mieux. On a passé tellement un bon moment, vraiment, que ce soit New York ou nous. C'est trop bien, franchement. Duo iconique! On a un bon duo, non? Tellement, on a fait ce truc. Donc là, du coup, on fait une petite liste un petit peu des choses que moi je vais faire avant de partir. Bastien est en train de m'emmener encore dans une boutique. Ouais, c'est pour moi, c'est pas pour toi. Non, mais j'ai dit que du coup j'allais regarder un peu. Forcément, tu m'amènes faire les magasins. Forcément que je vais faire. On n'a pas fait de magasin. Bah non, mais j'ai pas de place. C'est une scène qu'on a déjà joué. Hein. J'ai déjà dit que j'avais pas de place. Une première fois. Tu vas bien. Oui, One Life, mais que ce soit bah, aéroport et petit périple, puisque Bastien m'accompagne gentiment. Bénévolement jusqu'à la navette de l'aéroport parce que le Uber coûte 110 balles. Et très clairement, on n'est pas très us. Je peux pas marcher sur le terrain. Il y en a partout à New York aussi. C'est gasco, c'est putain une bouche d'égout là. Bref, on vous emmène pour cette dernière journée qui j'espère va être à la hauteur des heures. Allez, on est parti. TJ Maxx. En avant. On n'a pas de place dans la valise, qu'est-ce que tu fous? Ça va Mireille? Bah non, Mireille va pas bien. Tu trouves? Tu trouves pas? On va essayer les trucs de Noël. Mais arrête, je peux pas. J'ai envie d'acheter des chaussettes de Noël, tu vas me faire faire quoi là? Moi j'aime. Tu nous faisais une si belle paire, t'arrêtes pas? Attends, attention au départ. On cherche un truc pour manger. Allez, on va aller là. On est un peu à la bourre. Il faut qu'on se dépêche parce qu'il faut que dans 3h30, 4h on soit à l'appartement. J'ai passé la matinée à essayer de fermer mon compte américain, vive le dernier jour. Et donc là, on essaye de profiter. Donc nous, nous promenons dans Soho pour trouver un coin à manger. Because Bastien is starving et Bastien va finir par me manger moi. Un bœuf. Un bœuf et une végane. Je sais pas, mais dis-moi. Je suis pas végane. J'hésite entre un bœuf et une végétarienne. Allez, Shane Paul! Ça nous a envie d'aller en boîte. Oh oh! On a dit qu'on allait qu'on se dépêche! Oui, merde! On va en direction de la dernière activité qui est la New York Public Library! Trop hâte de voir! Une petite chose, un petit détail qui n'a rien à voir par rapport en France, ici, pour traverser. C'est pire qu'en France. C'est-à-dire que nous en France, on a quand même l'audace de temps en temps d'attendre que le feu soit vert. Là, ici, c'est non. Rouge, les gens ils traversent. C'est-à-dire et les taxis et les voitures klaxonnent alors que eux c'est vert pour prévenir en mode genre poussez-vous, j'arrive quoi. Alors que le feu est vert pour eux. C'est quand même fou. C'est dingue. Ah, c'est new-yorkais, je te jure. Et nous, du coup, bah, les premiers jours, on était méga respectueux. Et maintenant, bah, en fait, on traverse n'importe comment. On traverse. Maintenant, on regarde juste, mais rien à faire. Attendez. Moi, je mets une main comme ça pour faire genre arrêtez-vous, madame. Ouais. Oh, bah, c'est bon, je suis là. Arrêtez-vous alors. Traverse au rouge ou on attend? Allez, c'est parti. Vite. Oui, j'avoue, personne ne traverse n'importe comment. Là, on était les seuls. C'est parce qu'on a pris l'habitude des new-yorkais et maintenant, les new-yorkais sont plus respectueux que nous. J'ai
déjà une tête de fatiguée, j'ai pas encore pris l'avion. J'ai dit bye bye to New York City. Bah oui. Bah oui. Hey to Ridgewood. Samson. C'est l'heure des valises. Et moi je vais être triste parce qu'elle va partir. Mais on va se revoir. On se revoit. Regarde-moi ça, cette petite lumière. On est kiki. Tu sais que j'avais vu une étude qui disait qu'en fait ce qui fait que tu stresses, c'est que c'est ton cerveau qui pense à toutes les éventualités qui en fait n'arriveront jamais. Le poids de mon sac à dos, t'imagines même pas. Tu veux pas garder mon guide du retard de la Californie? Non, t'as pas. Qui a un livre comme As? Et qui a ça? Qui? Papa et maman, qui? Morgan, c'est gentil de me donner ta As, mais qui après, voyage, non, mais alors celle-là, je l'ai acheté moi-même, j'avoue, guilty. Et celle-là, guilty aussi, c'est ma faute. Mais qui voyage avec ça? Il y a une sage-femme qui a dit. Une sage-femme, lol. Une sage-femme. Tu as dit que c'était les moments spontanés qui étaient les plus importants. Non mais je vais quand même pas, il y a le YouTube. Que dire, c'est la fin. Oui, non. Elle s'en va. Les valises sont prêtes, mon sac à dos, mon bordel juste là. J'ai un petit bassin sauvage qui m'accompagne jusque dans les transports. Là ça va être un sketch. Ouais, là ça va être un sketch. Là ça va être la galère. Là on est avec deux valises dans les transports, le subway, le machin, le truc, et très clairement si j'avais été tout seul, je payais 120$ de Uber, donc this is mon sauveur. Une petite flèche juste ici, tout. Okay, voilà, une très bonne semaine. Une très bonne rencontre, surtout. Une très bonne rencontre, c'est très bien. On va se revoir en France, parce que ça n'est pas très c'est bon. Sûr. Out of the game. Moi j'ai hâte de voir Justine, du coup. Petit big up à Justine et tous mes fans. What IB. Big Ali. Bon, allez, on y va avant que ça parte. Non, moi non plus, j'ai pas envie, allez. Mais on a des souvenirs de fou avec ce petit vlog que je vais me faire un plaisir de monter et que vous venez de voir. Moi, j'ai certainement passé 45 heures à faire ce putain de montage, mais on aura des souvenirs de malade et ça va rester là, à vie. Exactement. On n'oubliera jamais. Gros bisous. Bisous magiques. Closest thing to Michelle Pfeiffer that you've ever seen. Bah, c'est mon sieur. Je suis vraiment un sieur pour le coup. J'ai fait une Morgane et on est descendu à la mauvaise station. Du coup, j'ai utilisé mon joker. Ah, c'est bon, là. J'ai plus le droit à des conneries. We almost made it. On y est presque. Elle est arrivée à Paris avant que moi je trouve la sortie du machin. T'as ils nous ont trop teasé là. Là, je vois rien. On voit pas ta tronche, non. Des fois, je me mouche et je me dis, mais comment je peux avoir autant de trucs dans le nez? Là, j'ai une pitié de meuf, j'ai acheté des capotes, 5$. Des capotes? On a chié, il y a eu des larmes, il y a eu des cris, il y a eu des cris, il y a eu des pleurs, j'ai dramatisé un peu le truc pour que ça passe tout de suite. C'est l'amour à la plage. Ah oui, ça. C'est pas d'amour avec les bas de plage, mais à part ça, tout va bien. Bah, à part ça, y'a plus bruit. Mets-toi dedans, tourne-toi. Tourne-toi en train de regarder. Et bah, non. C'est genre que je suis quelqu'un de pas stressé, alors qu'en fait, je suis au bout de ma vie, de stress. C'est sur ces dernières images de folie et ce bêtisier endiablé que se termine le dernier vlog à New York et cette aventure incroyable aux États-Unis. Merci d'avoir suivi l'aventure Au Père d'Ayuri la suite et toutes mes péripéties de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye. Mac and cheese avec de l'huile, de l'eau. Il n'y a même pas de cheese. De la sauce tomate et du cream cheese. Ça n'a aucun sens. Ton plat n'a aucun sens. Quelle est la première chose que tu vas manger quand tu vas être en France? Du pain et un croissant.
Et toi, c'est quoi? Je sais pas. Non, ça se fait pas. C'était pour vous les abonnés. Ça sera pas un montage. De toute façon, c'est moi qui les file. Bah, mais ça se fait pas, ça se fait pas. De quoi? Question plaît ou question? Toi, tu vas potentiellement y passer 30 ou 40 heures? Bah non, mais c'est moi qui vais avoir le résultat qui va dire abonnez-vous. Moi, je te fais l'influenceur. Allez. C'est censé donner un tarif et un résultat derrière. Donc, fais gaffe, hein. T'es censé me demander un tarif? Bah oui, je dois te payer pour que tu fasses ça. Si t'es un influenceur et que tu fais la promo de ma vidéo. Tu dois me payer? Bah oui. T'as payé moi, t'as quoi? Mais il faut des résultats derrière, c'est ce que je suis en train de te dire. Il y aura des résultats. Plus 20 vues. Tu sais combien ça fait un influenceur qui a à peu près 500 abonnés? Non, 0. Ouais. Entre 0 et moins 15. Approximativement.